سعداء كل السعادة أن نكرم أستاذنا الفاضل الباحث المعروف أندري ميكيل، فهذا تكريم لكرسي معهد العالم العربي ولمعهد العالم العربي. Le premier abord avec l'arabe et je dirais par la bande, ça a été après mon entrée à l'école normale supérieure, ma visite à Henri Massé, à l'école des langues orientales, à qui j'ai fait part de mon désir éventuel, je ne sais pas trop quoi, mais d'aller voir de l'autre côté de la mer et peut-être, du point de vue linguistique, de m'approcher un peu du persan. Et Henri Massé m'a tout de suite dit que le persan était aux mains d'un ancien camarade d'école, à moi, Gilbert Lazare, que c'était une langue rare dans le contexte de cette époque et qu'il n'y avait pas beaucoup d'avenir universitaire de ce côté et qu'il valait mieux se tourner vers l'arabe. Je suis parti après mon agrégation, je suis parti pour la Syrie comme boursier des affaires étrangères pour me sur place, me tremper un peu dans la langue de tous les jours. Mais l'histoire est ce qu'elle est, surtout celle des êtres. Je venais de me marier. Damas, pour moi, pour ma femme et moi, c'était notre voyage de noces. C'était une grande aventure. Une superbe aventure partagée dès le début dans une 4 chevaux qui devait de Bari où nous avons embarqué jusqu'aux rives du Liban nous amener à Damas. Nous sommes donc partis pour Damas en voiture. C'est une formule qui paraît excessive et pourtant je pense que ça traduisait déjà beaucoup notre engagement commun. J'ai été peu assidu au cours de l'université. Et j'ai continué comme cela, avec de ci, de là, un étudiant que me ramenait mon camarade Gilbert Troupeau, qui ensuite est devenu professeur aux langues orientales, un peu aussi, par le livre de Kalila et d'Imna, que mon maître Régis Blacher m'avait demandé de commencer à traduire, estimant que pour ce qui était de l'arabe classique, il n'y avait pas de meilleure formation que ce livre-là. Il avait bien raison. André ميكيل est de ces hommes qui, quand ils se trouvent devant un texte arabe, traduisent systématiquement tous les mots et ne conservent en arabe, ça arrive quelquefois, que les mots réellement intraduisibles. C'est un monde difficile, mais on peut essayer de le traduire dans des termes occidentaux de la même façon que, finalement, au 19e et au 20e siècle, des intellectuels dans le monde arabe ont été obligés par la nécessité politique et historique de traduire des réalités venues des langues occidentales dans le monde arabe. Au départ, il y a presque 40 ans, les mots sont venus d'abord en arabe. Et puis j'ai pensé après qu'à des images qui me venaient en français, j'ai rédigé un texte arabe, puis traduit en français. Et puis petit à petit, les choses se sont pas brouillées, mais mêlées, vraiment, mêlées les unes aux autres, à tel point qu'aujourd'hui, dans le prochain poème qui doit paraître à l'automne, je ne sais plus très bien si pour l'un ou l'autre, j'ai commencé dans telle langue ou dans telle autre. Je ne sais plus. Tout ce que je sais, c'est que ça a été perpétuellement va-et-vient. من قرأ كتابات هذا الباحث المعروف والعاشق سيدرك أنها تتميز بأمرين، الأول منهما هو أنه خبير كبير في التراث العربي الإسلامي، ولكن أيضا السمة الثانية
وربما تكون الأجمل والأهم أنه عاشق للشعر العربي ولهذا وكتلميذ سابق له يسعدني كثيرا أن أمازحه فأقول له أنه من آخر مجانين الشعر العربي ومن آخر مجانين ليلى الكبار. يوم عودة المغترب إلى قريته حال وصوله صادفه شيخ لم يتردد بمعرفته بأنه كان معلمه في صباه فألقى عليه السلام وسأله أين تلامذك؟ تركت المهنة ولماذا؟ نسيت قواعد تصريف الأفعال ولم أعد أعرف منها سوى تفعيلة ماضيها. Il a accepté que je lui confie la présidence de la Bibliothèque nationale et il fut l'un des patrons les plus remarquables de cette institution. Il y a donné son énergie, son talent, sa force, son autorité morale. Et sous son règne, l'ABN a connu des moments très heureux et prometteurs. Et finalement, il aura contribué à ce qu'un jour, avec le président François Mitterrand, nous décidions d'aller beaucoup plus loin encore en construisant une nouvelle bibliothèque nationale. Après la fin de l'informatique, de la mise sur pied de l'informatisation des collections de la Bibliothèque nationale, pendant 6 ans, j'ai entendu parler aussi, j'ai géré de très haut et de loin l'informatisation des collections du Collège de France. Je suis sorti après, quand j'ai pris ma retraite, avec le désir forcené de toucher le moins possible à l'informatique et aux moyens actuels de communication, téléphone non compris. Voilà. L'homme, André Michel, est un cœur d'or. C'est un homme d'une gentillesse extrême, d'une humilité incroyable, qui est sans rapport avec l'immensité de son œuvre et de son action. André est un homme de grand cœur. André est un homme que nous aimons les uns les autres. Nous partageons souvent ses idées, admirons encore une fois son travail, mais surtout nous aimons en lui l'homme, l'humain, l'âme qui vibre en lui. ذات يوم اخترع العنكبوت النسج والطير التحشيش والنمر القطر والإنسان الاختيال. J'ai pas besoin de vous dire quelle émotion ni quelle détresse ont été pour nous l'annonce de la destruction d'Alep et de ses souks et la démolition de Palmyre. Ce jour-là, j'ai pleuré. Je ne peux pas vous dire beaucoup plus de ce que j'ai ressenti et que de ce qui continue à vivre pour nous, qui allons traverser presque un siècle.